Bonjour, je voudrais vous parler donc de cette guitare qui a été faite par Olivier Pozzo. Elle s'appelle Django 100. Elle est faite de différentes essences, donc comme beaucoup de guitares, du palissandre brésilien. La table est en épicéa. Il y a aussi des inserts de palissandre et de l'acajou pour le manche. Il y a de l'ébène pour la touche. Voilà, le chevalet est en palissandre aussi, avec un léger insert de carbone, voilà, juste sous les cordes, pour éviter que les cordes mordent trop le chevalet. Voilà, donc cette guitare, en fait, on peut jouer des tas de choses avec. Elle n'est pas simplement faite pour jouer la musique de Django, même si c'est pour ça qu'elle a été conçue au départ. Voilà, donc cette guitare est faite aussi, évidemment, pour jouer du jazz. On peut jouer aussi avec les doigts, donc du jazz mais plus soft. Olivier a tout de suite accepté le principe donc de faire cette guitare. Donc c'est un modèle unique. La musique manouche est en fait une musique, c'est une musique qui peut s'apparenter un peu au blues, un blues peut-être de l'Est, un peu plus de l'Est, et au rock, enfin au blues par justement son contenu émotionnel, et au rock par son côté, par son énergie. Et donc cette guitare, elle répond vraiment bien à ce qu'on a envie en fait d'entendre, c'est-à-dire qu'on peut vraiment la jouer. Ou alors on peut la jouer un peu plus violemment. Elle se met pas à genoux, en fait, la table vibre vraiment en fonction de ce qu'on a envie de ce qu'on a envie d'entendre. C'est une guitare qui est finalement qui est très vivante. Thank you.